Oui, bonsoir. Écoutez, on est fatigué, hein, c'est la fin de journée, donc je ne vais pas vous asséner un papier trop lourd. Alors c'est bien de parler à la fin parce que aussi on peut se mettre un peu à distance de ce qui a été dit. Donc moi, mon propos, si vous voulez, indépendamment de toute la masse d'informations qu'on a pu avoir dans l'après-midi, c'est de finir par une question dont on pourra débattre, à savoir. Depuis le 13 novembre, janvier, etc., on a eu tellement d'expertises, de débats et d'émissions directes sur le terrorisme qu'on ne sait plus très bien ce que ces mots recouvrent vraiment. Ma question, c'est de savoir si le terrorisme, dans le cadre de la mondialisation actuelle, est un moment de crise ou finalement c'est devenu une normalité, un état des choses qui va devenir permanent. Et donc ça renvoie à deux problèmes. Ça renvoie évidemment à la définition impossible et improbable qu'on fait du terrorisme, que les Nations Unies essaient de stabiliser sur le plan juridique et haut d'une définition universelle du terrorisme qu'on n'arrive pas toujours à mener, puisque le terrorisme, c'est un mode opératoire, c'est pas une substance, et s'inscrit toujours dans un contexte politique qu'il faut analyser. Et puis, évidemment, dans le contexte de mondialisation actuelle, qu'est-ce que ça donne en termes de propagation et d'expression paroxystique de la violence. Alors moi, je parle d'un point de vue assez particulier, puisque ça fait à peu près une trentaine d'années que j'essaie de suivre l'argent des organisations terroristes, donc pour mieux essayer de comprendre à travers l'argent, finalement, la structuration de ces mouvements. Ça donne un peu une lecture, une visibilité. Et de ce point de vue-là, on peut dire, moi je veux dire, au bout de 30 ans d'enquête, après avoir mené des différents travaux dans différentes régions, que les responsabilités sont établies clairement et que là, les responsabilités ne sont pas toutes égales et toutes égales les unes que les autres. Sidi Ahmed Rosali parlait de l'Iran dans son propos. Moi, il est clair que depuis 30 ans, chaque fois que je mène des enquêtes sur le financement du terrorisme, je ne tombe pas sur les Iraniens, mais on peut penser ce qu'on veut de l'Iran, mais sur l'Arabie Saoudite. Et que de ce point de vue-là, sans être tranché, si vous voulez, dans la confrontation, la fitna entre le monde sunnite et les mondes chiites, qui n'est pas, on peut pas la réduire, hein, ce qui se passe à cette fitna, il est clair que l'Arabie saoudite est certainement beaucoup plus responsable aujourd'hui que l'Iran dans la propagation du wahhabisme, de l'idéologie des frères musulmans et de la structuration d'un islam, je dirais, fondamentaliste, sinon violent. Cette géographie, on peut la faire de l'Indonésie à l'Afrique. Moi, je suis frappé quand je vais dans des villages le long du Niger et que je vois des petites mosquées à architecture saoudienne parce que un bailleur de fonds saoudien a financé un moteur, une barque de pêche et autres, etc. Donc, on a transformé l'islam africain, on l'a wahhabisé à coup de pétrodollars, à coup de pognon. Et là, ça me ramène, si vous voulez, à des mécanismes touchant à la fois sur la définition du terrorisme et à la définition de la mondialisation. Alors, pour revenir à ma question liminaire, je dirais que, bon, sur le terrorisme, je le disais, c'est pas une substance qui tombe du ciel par une corde à foin, c'est pas un ennemi identifié, c'est pas quelque chose dont on pourrait établir une définition opérationnelle très claire, c'est, comme on a dit, c'est un mode opératoire, c'est une méthode de combat. Ça n'identifie en aucune mesure l'ennemi ou son organisation ou ses logiques. C'est pour ça que, comme l'a fait George Bush et ses deux mandatures, et comme l'a répété François Hollande après les attaques de janvier, déclarer la guerre au terrorisme est d'une insondable stupidité, en tout cas est une contradiction dans la forme sur le plan de la logique aristotélicienne, puisque on déclare la guerre des ennemis, mais pas à un mode opératoire. Bon. Donc là, le terrorisme, si vous voulez, a des logiques, si vous voulez, qui se développent dans certaines conditions. Et de ce point de vue-là, les conditions ne sont pas les mêmes dans le cas de Boko Haram et de la région sahélo-saharienne que dans le cas du Machrek, du Maghreb, voire dans le cas de ces logiques européennes. Là, j'ai bondi dernièrement en lisant un papier dans les pages débat du Figaro de mardi dernier, d'une dame qui est présidente de l'American Jewish Committee en Europe, peu importe, mais en tout cas. Elle a le droit, mais en tout cas, elle dit que les terroristes qui tuent en Israël et pourtant de même que ceux qui ont tué à Bruxelles, à Madrid et Londres, au Copenhague, partagent la même idéologie et sont les mêmes. Non, je veux dire, je veux dire, les raisons qui poussent des gamins qui
qui sont dans des territoires occupés, à faire vivre l'intifada du couteau, à protester ou à cibler une armée d'occupation dans un cadre de vie coloniale, n'est pas évidemment la même chose que s'en prendre à tel ou tel consommateur de terrasse de bistrot du 11e arrondissement ou à des auditeurs d'un concert de rock. C'est pas la même chose. Ça, c'est une façon d'essentialiser le terrorisme pour dire, bah, finalement, vous voyez, et moi j'étais très choqué par France 24 au lendemain du 13 novembre, invitant, encore une fois, je fais pas une fixation là-dessus, mais ça m'a frappé, un expert israélien pour venir parler du terrorisme qui venait de se dérouler à Paris en disant, nous, en Israël, on connaît le terrorisme, on peut vous en parler. Non, le terrorisme requiert une analyse anthropologique, hic et nunc, dans un contexte bien déterminé, avec des régions qui ont leur histoire, qui ont des contextes économiques, sociaux, culturels et politiques. Le terrorisme est une question politique. Selon la perception qu'on a, je veux dire, c'est la fameuse topic résistance-terrorisme. Les résistants de l'affiche rouge de la France occupée sont perçus par les forces d'occupation comme des terroristes, alors que par le Conseil national de la résistance, ils sont perçus comme des héros et comme des résistants. Donc, encore une fois, les catégories qu'on utilise pour employer cette thématique du terrorisme requiert chaque fois un retour aux politiques et à des analyses précises. Bon, je reviens à la deuxième partie de mon questionnement qui est la mondialisation. Alors, bon, la mondialisation, la plupart des politologues s'accordent à reconnaître que c'est la convergence, la mondialisation contemporaine s'entend de trois processus interactifs. Donc, le retrait soviétique le retrait soviétique d'Afghanistan qui va provoquer la chute du mur, donc l'effondrement du bloc de l'Est, ça c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est bien évidemment, dans la mesure où vous n'avez plus ces deux systèmes économiques, de l'économie planifiée et de l'économie ouverte en compétition, s'impose la généralisation du système libéral, sinon néolibéral, en tout cas, dit du marché. Et le troisième facteur, c'est la révolution numérique avec Internet, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, sinon les nanotechnologies, et là, qui nous amène à des effets de déterritorialisation de la plupart des activités humaines, qu'elle soit économique, voire politique, et qui nous amène d'une certaine façon, et là je rejoins ce que nous expliquait très bien notre ami centrafricain, à des situations de déterritorialisation, d'État failli, et d'éclatement et de crise des cadres stato-nationaux, qui font que des logiques affairistes, criminelles, vont revendiquer ou gérer des territoires et se substituer à l'État. Je veux dire, c'est ce qui se passe chez vous, là, je veux dire, en Afrique de l'Ouest, où là, on a des convergences hybrides de mouvements, certes terroristes, mais qui s'allient avec les grands cartels de la drogue, de cocaïne, qui ont toutes des têtes de pont aéroportuaires entre la Mauritanie, la Guinée-Conakry et toute la zone, et qui remontent, justement, à travers le Sahel, où là, vous avez une alliage hybride de menaces, de grandes criminalités économiques. Je parle des grands cartels de la cocaïne latino-américaine qui ont toutes maintenant non seulement des têtes de pont, mais aussi des transiteurs, des porteurs de valises à travers le Sahel. On a aussi, on a parlé des Chebabs tout à l'heure, qui font du fric avec les trafiquants d'éléphants, d'ivoire d'éléphants et de cornes de rhinocéros. Vous savez qu'on tue 30 000 éléphants par an. Eh bien, Les braconniers africains qui tuent ces animaux ont une jonction opérationnelle avec les Boko Haram, avec les Chebabs. Ils sortent leur butin par le port de Kismayo aux mains des Chebabs en Somalie, destination la Chine, puisque, pas un criminel Chine, mais en tout cas, le signe extérieur de richesse pour les classes moyennes chinoises, c'est les objets en ivoire. Bon. Donc tout ça correspond va m'amener à mon dernier point, à s'interroger si à un moment donné, le terrorisme dans notre monde mondialisé où les cadres nationaux, sato-nationaux de régulation sont en train d'éclater, si le terrorisme ne devient pas, si vous voulez, une activité, j'ose pas dire économique, comme les autres, mais en tout cas, sa motivation profonde, c'est pas faire de l'argent. Et donc, c'est pour ça que, pour ma part, après ces enquêtes sur l'argent du terrorisme, après 30 ans de travail là-dessus, je me pose la question en considérant que
il faudra peut-être arrêter aujourd'hui d'estimer que le terrorisme, les actes terroristes, c'est un moment extraordinaire de crise. C'est un moment de surchauffe ou de violence paroxystique d'un système qui va revenir à la normale. Ou plutôt considérer que le terrorisme fait partie intrinsèque, comme un conatus, comme un carburant, comme le centre vital d'un déploiement des économies mondialisées, globalisées et dérégulées d'aujourd'hui. C'est ça la question. Je reprends la très belle parabole de l'écrivain Georges Bataille dans son beau livre qui date de la fin des années 50, qui s'appelle « La part maudite », où Bataille explique... Bataille était très, très proche de Léris, de Kaiwa, de Mercelliède, d'anthropologues, et où il explique que chaque système économique en expansion a une part de gaspillage. C'est que pour qu'un système économique se développe, il doit gaspiller une part de ses ressources, et c'est ce qu'il appelle la consommation. Et la question, et j'en terminerai là-dessus, c'est de savoir si le terrorisme actuel n'est pas la part de consommation de notre mondialisation contemporaine, étant entendu qu'après Daesh, il y aura autre chose. Vous savez, il y a des éléments dont on parle, dont la presse parle peu, parce que je ne veux pas m'étendre sur le traitement de la presse parisienne de ce qui se passe en Syrie au Proche-Moyen-Orient, mais c'est assez curieux. Mais en tout cas, dans la région d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, une région que je connais, que je fréquente depuis de nombreuses années, vous avez des villages, vous avez une dizaine de villages, vous avez à peu près 15 000 Chinois. Alors, tous ne sont pas combattants, mais en tout cas, il y a 3 000 fusils ouïghours de Chinois qui viennent du nord-ouest chinois du Xinjiang. Ils ont fait venir leur famille. Et donc, les experts qui suivent tout ça pensent que, une fois que la situation syrienne sera plus ou moins normalisée, eh bien, on aura le nouveau foyer de combat djihadistes et terroristes qui se développera et s'étendra dans le nord-ouest chinois avec les mêmes bailleurs de fonds saoudiens, Qatari et la bienveillance de certains services américains ou pakistanais, comme ça a été le cas depuis la guerre d'Afghanistan. Le chaudron de Smerny actuel, pardonnez-moi l'expression, ça a été la guerre d'Afghanistan où Zbigniew Brzezinski, le conseiller à la sécurité de Carter, disait « Écoutez, c'est merveilleux parce que là, on a entraîné l'ours soviétique dans le bourbier afghan et c'est la revanche de notre Vietnam. » Finalement, les 3000 victimes des attentats du 11 septembre 2001, finalement, au regard de l'histoire, c'est bien peu de choses, parce que là, ça nous a permis de gagner définitivement la guerre froide. Le problème, c'est qu'une fois que les Américains ont fabriqué Ben Laden avec Matyar, Moussaïaf et tous ces braves gens, ils n'ont pas assuré le service après-vente en Afghanistan, et tous ces gens-là sont éparpillés dans le monde et ont généré des logiques et des segments d'afféro-islamisme comme on les connaît en ce moment dans l'Afrique et dans la région sahélo-saharienne. Je vous remercie. Merci. Ah, mon arbitre n'est pas là pour le chronométrage, donc on peut peut-être passer à quelques questions. Normalement, mais je sais pas où il est. Ah, il est là. L'excellence de la médiation reprend la main. Bon, je voudrais réagir au propos de qui m'ont beaucoup étonné, parce que je pense que mener une enquête sans voir la main de l'Iran dans la propagation du terrorisme m'interroge et m'interpelle particulièrement. Je me demande si ce n'est pas lié à vos déplacements en Iran, de ne pas voir ce rôle particulier du régime iranien dans la propagation du terrorisme, bien avant Daesh. Et je suis bien placé pour le savoir, parce que dans mon entourage, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été victimes du terrorisme du régime iranien à l'étranger. Vous savez fort bien que Dr Kazem Rajavi a été assassiné en Suisse, où vous avez vécu, par les terroristes iraniens. Oui, je sais, et c'est pour ça que je suis étonné.
Et surtout, savoir que bon nombre des intellectuels irakiens, la fine fleur de la société iranienne, ont été déracinés, tués, assassinés par des milices et des terroristes qui venaient de Téhéran et des milices qui continuent à sévir partout dans le monde musulman, malheureusement. Donc je crois que vous cherchiez ou vous trouviez d'autres responsables dans le terrorisme, ça ne me gêne pas. Mais surtout, je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux sur la réalité du rôle néfaste et précurseur du khoménisme dans la propagation du terrorisme dans le monde musulman, sur lesquels Daesh et d'autres ont pris des exemples, y compris en Algérie, dont Sidi Ahmed Rosali vient de le souligner, où il a été celui qui a décidé de rompre les relations avec l'Iran, précisément parce qu'il y avait la main de l'Iran dans le terrorisme en Algérie. Merci pour votre intervention. Je vous réponds brièvement sur ce sujet. Bien sûr, là encore, il faut faire l'histoire. Que l'Iran ait eu recours au modus operandi terroriste pendant la guerre 80-88. Non, mais si, c'est tout à fait lié. Permettez-moi d'apporter des éléments de réponse à votre intervention pertinente. En 80, Saddam Hussein déclenche une guerre poussée par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France contre l'Iran, ayant peur que la révolution islamique d'Iran s'étende. Il est clair que partons de là. C'était sans compter avec le phénomène national iranien qui fait que ce pays sous révolution islamique, qui était encore fragile, ne s'est pas effondré, mais au contraire, ça l'a conforté. Et partant de là, on a vu des factions chiites au Liban cibler des pays occidentaux, dont la France. Donc, je veux dire, chaque fois, si vous voulez, l'usage du mode opératoire terroriste est lié à une histoire. Sauf que moi, j'ai enquêté sur la mort de Kazem Rajavi dans le canton de Vaud à Lausanne. J'ai travaillé beaucoup sur ces affaires-là, etc. L'Iran, très vite, après les accords de Taif, à la fin des années 80, a compris, après avoir essayé de nouer des relations et des alliances opérationnelles, le mouvement notamment aussi au Soudan, et a compris que cette stratégie était une impasse. Alors que l'Iran ait utilisé ce genre de modus operandi pour supprimer ses opposants, etc., personne ne le conteste. Simplement, je dis que sur le plan historique et géopolitique, à partir des accords de Taïf et la fin des années 89, l'Iran renonce à l'usage du mode opératoire terroriste pour la promotion de ses intérêts et on passe à autre chose. Et c'est pour ça qu'à partir du début des années 90, la montée en puissance chaque année des attentats terroristes importants sont à attribuer à une mouvance sunnite, voyez, qui va nous mener des attentats de Khobar en Arabie Saoudite, en Tanzanie, à Luxor et autres, etc. Et où chaque année, oui, mais Khobar, alors là, si vous sur le plan de l'enquête de Khobar, il y aurait beaucoup à dire. Ça a été, que ça soit attribué à l'Iran par les services de l'armée américaine, ça m'étonne pas du tout, mais il faut aller beaucoup plus en profondeur. Et là, si vous voulez, on a assisté chaque année jusqu'en 2001 à une montée en puissance de la nébuleuse. En tant que casque bleu, je suis obligé de sonner. Donc, chaque fois revenir à l'histoire, et de ce point de vue-là, on peut sonner l'armistice. Bon, merci. Nous allons.